Bonjour, on est à Hammamet et je suis à l'hôtel Magic Life dans Yasmine Hammamet. Donc je vais vous présenter cet hôtel qui est vraiment vieillot. C'est la vérité, c'est un des hôtels les plus pires que j'ai vu, soi-disant 5 étoiles. Il est grand, mais l'infrastructure elle est vraiment vieillotte et apparemment il est géré par TUI. Ils ont repris la gestion de l'hôtel. Mais franchement, c'est pas 5 étoiles, c'est une étoile. Alors j'ai demandé exactement qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas à des vacanciers. Par exemple, vous avez de l'eau qui fuit sur le côté du mur à l'intersection du plastique transparent où il y a l'eau qui tombe et qui coule sur le sol. Vous avez des fruits pourris dans la corbeille quand vous arrivez à l'hôtel. Par exemple, la chambre n'a pas été faite un jour en arrivant. Donc on n'a rien dit du tout parce qu'on ne veut pas créer des problèmes pour les femmes de ménage. Et alors vous avez des comportements, ils regardent les gens, les clients comme des gens bizarres comme ça avec le personnel. Vous voyez, il y a des choses pas normales quoi. Mais ce qui choque vraiment, c'est quand on rentre, c'est l'entrée. On dirait un souk. Je ne sais pas si vous avez vu le monde qu'il y a et c'est vraiment du tourisme de masse. Ce n'est pas un hôtel vraiment particulier, classe, quoi, 5 étoiles. Quoi. Voilà quoi. Mais bon, moi je vais vous montrer des images, mais je lui donnerai une étoile. Hein, c'est parce que ça ne vaut vraiment pas quoi. C'est plus du cinéma qu'autre chose quoi. Donc moi je vais rentrer de nouveau, je vais vous montrer quelques trucs, je vais me promener quoi. Ça va? À tout de suite. Hein.